Bonjour, je m'appelle Jean-Lucas, j'ai 26 ans et je suis italien. Je suis un mobilité Erasmus à l'INSAIA et je fais un stage dans le cadre de mon dernière année de spécialisation chez moi en biotechnologie végétale. Et je viens de l'Università di Torino. Le début à l'université a été un peu difficile, il faut dépenser beaucoup d'énergie, mais c'est normal à cause des problèmes de la langue et des méthodes de travail qui sont un peu différentes de l'université de chez moi. Mon stage, ça dure 5 mois. Je le fais au LAE, Laboratoire Agronomie Environnement de l'INSAIA. Et c'est un laboratoire mixte de recherche qui c'est un laboratoire très réputé. L'équipe est sympathique. Mon encadrant s'appelle Mariana. Elle est un doctorant mexicain et avec elle, j'apprends beaucoup de choses. Mon rôle, c'est le clonage de gènes qui codifient pour l'enzyme P450. Dans les agrumes et qui sont impliqués dans le métabolisme secondaire des plantes. Pour faciliter mon intégration, l'INSAIA m'a proposé une marraine. Elle s'appelle Salma et elle est de Marrakech. Elle m'a aidé dans les démarches administratives, elle m'a fait découvrir un petit peu la ville et des autres endroits dans la région, comme Gérardmer. Et elle m'a invité aussi chez elle pour faire des petits repas typiques marocains. Elle m'a invité aussi à une soirée marocaine à l'hôtel de ville. Dans le bus qui m'a mené d'Italie, j'ai rencontré aussi un étudiant Erasmus italien qui venait étudier à l'université de Lorraine. Et depuis là-bas, nous sommes amis. Nous aimons bien sortir le soir avec d'autres étudiantes. On va souvent à l'appart, que c'est une boîte. J'adore la musique qu'il met. J'aime bien aussi boire une bière au McCarthy. C'est un pub et l'ambiance est très sympa. J'ai choisi de vivre en colocation. J'ai trouvé un appartement pour 4 personnes. Ce n'est pas la solution plus économique. On peut essayer de trouver des trucs moins chers, par exemple à la résidence universitaire du Crous. Je paye en fait 340 euros par mois, charges comprises. Mais avec la bourse d'études Erasmus et la CAF qui t'aide un petit peu, ça va. Actuellement, nous sommes 3 personnes. Moi, Julien, fille italienne, et James, un garçon équatorien. Ici, il y a James. Parfois, il est un peu revêche, mais sympa. En janvier, je suis passé à la télévision française avec la directrice des relations internationales, Madame Fick, pour témoigner de mon expérience Erasmus. Passer à la télévision France 3 a été donc mon moment de célébrité en France. Au final, je suis content d'être venu ici à Nancy pour faire mon Erasmus. Et si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Vive la mobilité étudiante!